Donc voilà, donc là je commence donc à jouer donc avec le balista. On était donc en 3 contre 3 contre 3 contre 3 contre 3. Et j'en ai pas trop vu. 4 fois 3 équipes. 4 fois 2 équipes de 3, voilà. On perd 8 joueurs. Et j'ai vraiment beaucoup adoré ce adhéré à ce commentateur. C'est un joueur très bien, il est rapide, il est léger au déplacement. Et dépendant des autres, c'est un match qui est vraiment très très mal. Et c'est vraiment, voilà, j'y ai joué, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir jouer déjà à la compétition pendant 2 heures pratiquement. Et je vous jure que c'est un grand bonheur, un grand plaisir de pouvoir jouer comme objectif de Dame 3, parce que je vais pas vous le cacher, moi Dame 3, on arrive un peu sur la fin et je commence à avoir envie de jouer en tant que paranormal. Je vous assure, c'est possible. Là, je vais rentrer un petit peu de temps, on peut les faire. Et voilà, et c'est clair que voilà, les petits stops que nous allons voir passent très facilement. Il y a les hitmarkers, ça c'est évident, à chaque fois qu'on passe, c'est normal. Et également, dans ce nouveau collectif, la santé est plus élevée, c'est-à-dire qu'on meurt beaucoup moins rapidement si vous voulez. À Modern 3, c'est les mêmes procès en face de vous qui a accidenté. Vous passez des vies à mort, il n'y a pas le temps d'avoir des crampes. Et là, je fais juste un rapide arrêt sur le match pour montrer que c'est la session tactique. Elle ressemble à ça, et donc, je disais, voilà, dans Modern 3, vous passez des vies à mort en une fraction de seconde, c'est-à-dire que vous n'avez même pas le temps d'avoir des crampes. Que là vous avez vraiment l'argent dans le temps, là je l'illustre très bien d'ailleurs, vous avez juste 2 balles et je suis pourtant pas mort aussi rapidement que ça. Et voilà pourquoi on va dire qu'il y a un petit peu plus de petits marqueurs. Le snipe, mais comme je l'ai dit, on était donc en LAN à cette avant-première. Et forcément la LAN et en ligne c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire que forcément on a tout le monde la balle instantanée, mais c'est pas vraiment pareil. C'est clair qu'on ne peut pas juger sur une partie LAN comme dans cette partie j'étais contre Tizo et j'étais ensemble. Franchement, j'essayais vraiment de m'en sortir un petit peu, là j'avais ramassé tout ça, je pense que c'est une cigarette, je ne comprends pas. J'essayais vraiment de voir si dans le tas, comme par exemple avec Balista sans lunettes, je peux vraiment m'en sortir. Quelques jolies phrases sont forcément pas quelque chose d'incroyable. Mais j'ai plutôt aimé en tout cas l'utilisation de ce capteur là. En tout cas, il n'y a pas autant dire, de facilité que dans un Modern 3. C'est-à-dire que dans un Modern 3, je prends un barrette. Là, son apprentissage est très rapide. Je suis toujours, on va dire, 2-3 semaines avec, vous arrivez facilement à faire des bons scores avec. Là c'est pas vraiment pareil, si vous regardez bien la façon de scoping, le scope descend et remonte pour scoping. Donc c'est vrai que ça va demander un peu plus de skill, un peu plus d'entraînement peut-être avec les snipers. Là je fais un gros coup de tuyau parce que c'est lui qui fait le tuyau là. Et si vous regardez bien, je tire un tout petit peu en avant aussi sur lui. Donc je pense que le système justement de tir des balles de ce Black Ops 2 est un peu calqué sur Code 4, c'est-à-dire qu'il faut tirer avec un petit peu un petit décalage pour ceux qui connaissent, qui ont déjà joué. Là j'ai rapidement ramassé une MP7 et là j'ai encore un bâtiment, je me suis fait déglinguer. Donc comme vous voyez là l'ennemi je l'ai touché, je pense qu'avec une MP7 de Modern 3 je l'aurais déjà tué largement quoi. Donc ça déjà c'est un grand point positif, c'est-à-dire que la santé a été augmentée. En contrepartie, il y aura peut-être un peu plus d'hitmarker forcément, mais je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux de mourir en... pas mourir en une fraction de seconde. Vous voyez là, mon hitmarker par exemple. Mais je trouve ça mieux, comme ça on ne meurt pas en une fraction de seconde. Et voilà, même s'il y a un peu plus d'hitmarker, je pense que ça permet à plus de joueurs, que ce soit sniper ou pas, d'éviter les balles. Donc là, comme vous voyez, je me suis fait électrocuter. Pour ceux qui ont vu le trailer, quand il lance les deux espèces de couteaux électrocutants, c'est ça en fait, c'est ce que vous avez pu voir là, c'est ces couteaux là, ça fait cet effet là. Donc comme vous voyez, c'est pas un effet abusé, vous n'allez pas paralysé pendant 10 ans, vous êtes paralysé une zone ou deux et demi, ça permet quand même à l'ennemi de prendre un avantage sur vous.
Donc là, vous voyez, dépendant les modes, en hard point, un frag c'est 50 points. Donc vous voyez, même pendant les modes, c'est plus difficile de débloquer des killstreaks. Par exemple, moi j'avais joué en MME aussi. Quand vous faites un frag, c'est 100 points. Donc c'est-à-dire que dépendant le mode, forcément, vous avez soit plus de points, soit moins. Donc voilà, après pour ce Black Ops, beaucoup me posent la question du double Y, donc je l'ai testé, justement ce double Y, parce que c'est un des grands points, on va dire, de Modern 3 qui pose des problèmes à beaucoup de joueurs, que ce soit sniper, compétition, ou que ce soit tout simplement simplement jouer en ligne. En fait, le double Y est présent, mais moins qu'un code 4 ou qu'un MW2, c'est-à-dire que vous allez faire double Y et en fait l'arme va attendre, on va dire, peut-être une demi-seconde et vous allez pouvoir tirer. C'est-à-dire que c'est pas instantané, mais c'est largement mieux qu'un Modern 3 genre. Par exemple, Modern 3, vous devez attendre quelque chose comme on va dire une seconde et demie pour pouvoir tirer après un double Y. Là, c'est la moitié d'une seconde. Voilà, pour ceux qui se rappellent de ce passage, c'est le petit passage des derniers clips dans mon mini étage et voilà. Et là, comme vous voyez, donc le grand laser rouge que vous avez vu à terre, c'est une insertion tactique. Là, j'ai mis Hitmarker, je pensais l'avoir tué, donc c'est parti, mais j'ai mis Hitmarker. Mais voilà, donc on a pu jouer donc sur 4 maps qui sont Yemen, Aftermath, Cargo et je me souviens de la dernière. Yemen, Aftermath, Cargo et ouais, je vais pas y arriver. Et Turbine, bien sûr, Turbine, pardon, qui est la map du trailer. Donc voilà, les 4 maps sont vraiment bien bien réparties. Là, vous voyez, c'était du 3 contre 3 contre 3. Donc forcément, les spawns auraient pu être vraiment, vraiment abusés. Mais ça va, c'est vraiment bien fait. Turbine est une map excellente pour les snipers. C'est une map où il y a des longs couloirs, des grandes allées. Elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai un autre gameplay que je vais pouvoir vous proposer, je pense, dans pas trop longtemps. C'est un gameplay avec le sniper de base, qui est le SUVAS, là. Je dis qu'il ressemblait à un OA2000. Je vais pouvoir vous proposer un gameplay comme ça, avec un score final de 31-4. Mais bon, on va dire que dans la partie, je ramasse aussi une arme qui ressemble à la AK, qui s'appelle la AM. La tête que je mets, c'est un monsieur le V12. Et voilà, et donc je vais pouvoir vous proposer ce gameplay. On va dire que c'est vraiment partagé entre les deux. C'est justement un peu de ce snipe là et un peu de l'arme que j'ai ramassé. J'ai aussi débloqué deux killstreaks. J'ai débloqué donc même trois killstreaks. Il me semble que j'ai eu donc le Dragonfire. Donc je vais vous présenter aussi. Et j'ai eu également, il me semble, le drone. Ah oui, c'était l'hélico automatique, en fait. C'est un peu comme celui de Black Ops 2. Vous définissez une zone et l'hélico va dessus et il tue les ennemis pour vous, hein, comme un hélicoptère, mais justement sur une zone spécifique, pas sur toute la carte. Donc voilà, on arrive bientôt, je pense, à la fin de cette partie. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous présenter un full gameplay. Je sais que certains d'entre vous peut-être ont déjà vu ce gameplay en ligne. Je sais pas comment c'est possible, mais les gens ont réussi à récupérer ce gameplay alors qu'il n'a jamais vu le jour sur YouTube. Mais voilà, certaines chaînes ont fait leur vidéo, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a tout un énorme engouement autour de ce Black Ops 2 et c'est normal, mais bon voilà. C'est dommage que les gens récupèrent des gameplays comme ça qui ne leur appartiennent pas forcément, et forcément je peux pas dire « Mais c'est mon gameplay, t'as pas le droit de me le piquer !» Parce que je m'appelle pas White Code 12. donc voilà, c'était mon gameplay à la Gamescom, c'était mon nom à la Gamescom, c'est moi qui suis un homme, j'espère, en tout cas. J'espère que cette vidéo que je vous présente moi, vous fait avec un petit commentaire, vraiment des choses que je vais expliquer. Et voilà, voilà, je pense que de toute façon, c'est Call of Duty, même pour ceux qui sont un peu sceptiques, je pense vraiment pas que vous avez de quoi vous en faire. Moi, j'ai joué 2 heures,
Je vous mentirai pas, hein. je suis pas en train de mettre en avant une carrière que si vraiment un Black Ops comme celui-là me plairait pas, je vous dirais tout simplement parce que j'ai joué pendant des années à Call of Duty. J'ai commencé sur Call of Duty 2 et j'ai joué jusqu'à tous les Call of Duty, donc Call of 3 était mieux, mais Black Ops je n'ai jamais joué à part Call of Duty, sinon parce que c'est impossible pour moi. Je vais pas vous mentir, mais il faut vraiment